que vaut vraiment Star Wars Battlefront? Alors je tiens à préciser que mon avis il s'est fait en live. C'est juste pour vous prévenir que désormais je ferai quelques petites vidéos anecdotiques pour vous prévenir que étant donné je ferai des lives, ouais je vais désormais un peu plus me pencher sur les streamings. Enfin bref, commençons. Déjà la première chose que l'on peut dire c'est que c'est peut-être le Star Wars Battlefront le moins riche au niveau des maps. Nous avons juste 4 planètes et 12 maps. Alors de nos jours cela peut paraître énorme, mais si vous les comparez avec les anciens sur PS2, genre Star Wars Battlefront 1, 2, Elite Cadron, Renegade Cadron, on se rend compte que ce choix est complètement pourri en fait. Mieux vaut une map pour une planète en fait. J'attends vraiment que des mises à jour viennent compléter ce jeu, car pour l'instant c'est vraiment limité en termes de planètes. Très franchement, alors 12 maps ouais c'est énorme, mais nous on veut plus des planètes, on peut pas vraiment un univers comme Star Wars en fait. On a envie de voyager en fait, c'est pour ça que c'est rester sur 4 planètes c'est vraiment peu. Alors je voulais parler aussi du DLC que j'attends aussi de Star Wars, que je ferai même un live d'ailleurs je pense pour me fixer mon avis en direct, qui sortira le 8 décembre et j'attends, car là il y aura un petit scénario, car c'est le point le plus important aussi, il n'y a aucune campagne. Les mecs, aucune campagne pour un Star Wars Battlefront. Les autres, il y en avait. Mais alors lui, je sais pas ce qu'ils ont fait, enfin... ils ont un peu speedé si vous voulez mon avis. Hein. Enfin bref, le DLC s'appelle la bataille de Yaku, je l'attends vraiment. Mais... ça se passera entre le 6 et le 7, donc je pense que ce sera bien sympa. Hein, ça pourra nous tenir un peu en haleine pour nous préparer au 7. Du moins je l'espère, hein, très franchement. Donc voilà, manque cruel de planète, aucune compagne. Et ouais voilà, c'est un point très négatif. Hein. Dans un univers comme Star Wars, on a souvent envie de voyager, pas de rester sur 4 maps. Après, concernant les graphismes, il n'y a rien à dire. C'est du lourd, du canon, pour revenir aux maps. Elles sont juste magiques. On a une interaction avec les décors juste incroyable. Et la map Endor est vraiment super. Sérieusement, dans tous les anciens, les textures au sol, elles étaient juste dégueulasses. Et les speeders, ils étaient casse-couilles à manier, alors que là, bah, ils ont un peu tout amélioré au niveau maniabilité, niveau graphisme, ouais, voilà. Tout est super, hein, franchement. Les graphismes, c'est du 20 sur 20, sans déconner, les mecs. Maintenant, niveau gameplay, j'ai eu très peur, en fait, en voyant justement les maps, mais au final, ça peut aller, ils ont su compenser le fait que quasiment tous les meilleurs modes du jeu ont été balayés dans ce Star Wars. Notamment avec le mode survie qui fait vachement penser à ces bons moments passés sur MW3 en mode online avec le mode infecté. Ou le mode héros contre méchant qui a été énormément modifié pour rendre le gameplay plus dense. Y compris aussi le multijoueur. Le multijoueur qui est plutôt pas mal. Hein. La communauté n'est pas trop mauvaise, je m'attendais à pire quand même. Mais ça peut aller. Il y a aussi un point assez incroyable avec le sniper, c'est qu'il met 7 secondes à se recharger et ça encourage pas vraiment la camp et c'est plutôt bien, vous voyez, il y a moins de rageux et ça fait qu'il y a une meilleure communauté. Donc selon moi c'est surtout grâce à ce sniper et aussi le fait qu'il faut payer avec les crédits qu'il faut pas payer avec de l'argent réel. Hein. Système de merde de free-to-play, ça casse les couilles ça. Bon par contre ils ont toujours pas, contrairement à la démo, ils ont toujours pas réglé ce problème. L'Empire gagne quasiment à tous les coups lorsque l'on est 20 contre 20. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé les véhicules du 2 en fait. C'était vraiment excellent. Après ils ont repris le gameplay de Elite Cadron, qui est de pouvoir utiliser les vaisseaux, de faire des batailles spatiales et en même temps de jouer au sol. Bon malheureusement il n'y a plus les batailles galactiques qui enlèvent un peu de sa splendeur. J'aurais espéré que ça y est quand même, parce que ça faisait une belle ambiance quand on pétait le vaisseau ennemi qu'il fallait le quitter dans Elite Cadron. Mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Mais c'est surtout qu'ils ont vraiment speedé je pense. Après qu'est-ce que j'ai pas parlé encore? Bah niveau bande sonore du jeu, bah y a rien à dire, elle est excellente aussi. Bah, en même temps ce sont celles du film créé par John Williams. Ce sont quasiment les plus marquantes qui sont incrustées dans le jeu d'ailleurs. Et malheureusement, ouais, il y a les musiques du 1, 2 et 3. Et il n'y a aucune map du 1, 2 et 3 en fait.
Enfin, c'est une excuse assez bidon en fait. Il disait que. Qu'il faisait ce choix parce que la prélogie avait été mal vue par le public. Mais les mecs, putain, c'est une idée à la con ça. Les mecs, on est dans un jeu vidéo. Plus il y a de maps, plus c'est bon, putain. C'est. Plus il y a de maps, plus il y a de planètes, plus c'est bon. Et eux, je sais pas, ils ont fait ce choix à la con. Et en plus, cette raison, elle est pas valable parce que justement, ils mettent les musiques du jeu. Ils mettent les musiques du Star Wars 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Et ils disent après qu'ils mettront rien de 1, 2 et 3. Enfin, c'est compliqué, putain. En fait, en conclusion, le jeu, ce n'est pas le pire des Battlefront. Mais ce n'est pas le meilleur non plus. Mais bon, après, il faut vraiment s'attendre à de bonnes grosses mises à jour. Car là, on sent que les développeurs Electronic Arts et DICE, ça se voit et ça se ressent en fait qu'ils se sont vraiment bougé le cul pour créer ce jeu, c'est juste pour devancer Star Wars épisode 7 et faire un peu de monnaie là, parce que c'est vraiment pour ça en fait, ça a été motivé par l'épisode 7 de Star Wars. Mais bon, sachez-le, pour l'instant mon avis il est assez mitigé, comme je l'ai dit justement. Mais bon, je referai un avis à partir du moment où il y aura un peu plus de mise à jour. Et le DLC, la bataille de Yaku, qui sortira le 8 décembre. Car là, il vient à peine de sortir et je pense très sincèrement qu'ils vont pas s'arrêter là. C'est vraiment trop peu pour un Battlefront de mettre autant de trucs. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de commandes en free-to-play. Voilà. Donc si jamais c'est le premier débat que vous voyez sur ma chaîne, sachez que je fais essentiellement du gaming. Je fais des débats, je fais des vidéos commentaries. Je fais du Minecraft RP, je suis très doué en ce domaine, non sans me vanter. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous souhaitez, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup, à la prochaine. Et le prochain live, c'est décidé, ce sera samedi après-midi. Allez, tchuss!